Eh bien, salut tout le monde, ça y est, Tyler. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée de ma part. Donc, c'est de nouveau une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en domination sur Strike Zone. Donc, les gars, toujours du Black, toujours du Ghost. Oui, j'essaie. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change un petit peu de jeu, peut-être que j'attends des gameplays sur Black Ops 2. J'en ai quelques-uns, hein, ou sur MW3. Sachez que Red Shadow arrive bientôt parce qu'il va. En fait, il a eu un problème, mais donc maintenant seulement il a l'argent pour acheter son autre gâteau. Je pense qu'il va acheter un autre gâteau. Donc il va le faire dans pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Et vous allez bientôt pouvoir découvrir qui il est, vous allez vraiment l'aimer. Donc au passage, je vais vite faire de la pub pour un pote parce que il va commencer YouTube. Et comme on me l'a fait à moi, on m'a fait un peu de pub avant que je commence YouTube, donc je vais vite lui en faire un petit peu. Donc il s'appelle Works, donc sa chaîne est dans ma subbox, donc allez vous abonner. C'est un très bon joueur, un type très sympa, même s'il craque parfois trop son slip. C'est un type super sympa. Donc les gars, allez voir sa chaîne. Il a pas encore mis de vidéo, mais il va arriver bientôt. Je pense qu'il va en mettre une d'ici la fin de la semaine. C'est Predaz qui va lui rec. Donc une petite dédicace à toi, hein, mec. Désolé si je parle pas trop fort, c'est parce qu'il y a mes parents qui dorment. Et je fais le commentaire, il est un petit peu. Je sais pas quelle heure il est. De 1h10 du matin, donc voilà. Donc c'est une tentative KM Express. Donc elle a été réalisée en fin de partie. Je sais pas si c'est un top 10 FR, faudrait qu'on me le dise dans les commentaires parce que j'ai pas vraiment été faire attention. C'est une KM en 134 secondes, donc c'est une seconde de plus que mon pote Predaz. Qu'il avait fait en 133 secondes, donc je vous invite à aller voir sa vidéo sur sa chaîne. Donc les gars, je vais vite faire des dédicaces parce que je les ai pas notés et je sens que je vais les oublier. Enfin si, en fait je les ai notés. Donc je voudrais d'abord commencer par une grosse dédicace à mon pote Smokey, que j'avais oublié dans la dernière vidéo. Donc je te fais une grosse dédicace, mon gros. Je voudrais faire aussi une grosse dédicace à Tom. Donc Tom, tu te reconnaîtras. C'est un super bon pote, les gars. Franchement, c'est le genre de pote que tout le monde rêve d'avoir. C'est un type qui est super gentil avec vous et qui n'a jamais aucun. Enfin, il va jamais vous craquer son slip pour rien. Je voudrais faire un petit dédicace à tous les gens qui étaient dans la partie, c'est-à-dire Keylo, mon GFX, Codexta, mon potor, à Bouboud, donc lui qui a été un abonné, et à. J'ai oublié son prénom. J'oublie chaque fois son truc, c'est Nex, je crois, un truc dans le genre. Je vais juste attendre qu'il passe dans la barre des feeds pour vous le citer. Parce que j'oublie toujours son pseudo. Mais lui, d'ailleurs, il a réussi la KM en soutien parce qu'il jouait soutien pour moi. C'est un très très bon joueur, les gars. C'est vraiment le genre de joueur soutien que vous aimiez. Parce que je l'ai même pas demandé de jouer en soutien, il a joué en soutien. Et une dédicace aussi à Mathieu. Mathieu était dans la partie, donc tu sais. Donc c'est BDK Legend, les gars. C'est aussi un joueur soutien qui joue soutien pour moi. Mais lui, il joue pas tout le temps soutien. Il fait un peu n'importe quoi. C'est le type qui fait n'importe quoi sur Ghost et qui trouve ça trop marrant et qui est toujours en train de te dire: mais rage pas, c'est tranquille, gros. Donc voilà. Et une grosse dédicace à Couscous aussi. Couscous, je t'ai oublié dans toutes mes vidéos. Mais c'est pas grave, tu sais qu'on t'aime, tu sais quand je pense à toi dans toutes mes vidéos. Tu sais que je pense à toi. Non, non, non. Mais Couscous, grosse dédicace à toi. Hein. Tu sais très bien qui tu es. Et faut qu'on se revoie vite fait. Donc voilà, niveau dédicace, j'ai tout fini, les gars. Donc, excusez-moi hein, pour les dédicaces, mais j'y tenais un petit peu, ça me tenait à cœur de leur faire la dédicace. Donc, les gars, je vais parler maintenant d'un truc qui est un projet que Predaz et moi on a fait. Donc, c'est un tournoi. Comment vous expliquer ça? C'est une sorte de tournoi d'abonnés d'un V1. Donc il y aura une partie SMG, une partie sniper, suivant les demandes. S'il y a beaucoup plus de SMG, donc les SMG ça prend les AR aussi, hein, ça comprend les AR aussi. Mais s'il y a beaucoup plus de SMG que de sniper, ben, on prendra les SMG AR. Donc pas de pompe, ni de batteuse, etc. Ni de tireur d'élite, machin chose. Et s'il y a plus de sniper, ben, on prendra que les snipers. Si ça a plus ou moins égal, on laissera sniper et SMG. Donc les snipers, ben voilà. Donc ce sera sur Ghost ou sur BO2, on ne sait pas encore, on n'a pas encore eu le. Le, enfin, on n'a pas encore le résultat total des gens qui ont voté Ghost ou BO2, donc vous avez le choix entre les deux jeux. S'il y a que du Ghost ou plus de Ghost, bah, ce sera Ghost. S'il y a plus de BO2, ce sera plus de BO2. Les gars, on peut pas faire les deux jeux, on n'a pas assez de prix pour tout le monde. Voilà, parce qu'on a mis des prix. Donc maintenant, je vais vous dire un peu quand ça se passera. Ça se passera le vendredi 3, vendredi 3 janvier, à partir de 1h normalement.
Si ça change, de toute façon, vous serez tenu au courant parce que le jeudi 2, il y aura moi et Predas qui sortiront une vidéo pour vous expliquer vite fait tout ça, pour vous rappeler un petit peu tout si vous auriez oublié certaines choses. Je voudrais juste vous dire comment, enfin, je vais juste vous dire comment on s'inscrit. Alors c'est très simple, vous allez dans les commentaires et vous mettez je participe suivi de votre pseudo PSN. Oui, c'est une compétition PlayStation, j'ai oublié de le dire. Donc vous mettez votre pseudo PSN. Et vous dites je participe, vous mettez sniper ou SMG et vous mettez le jeu de Call of que vous voulez. Ensuite, nous on fera un total de tout ça et on verra ce qu'on choisit. Donc les gars, excusez-moi si je dis toujours mais c'est que du freestyle moi, je prépare rien, je me dis donc bah, je vais me lancer, je vais faire ça, on verra ce que ça donne. Donc voilà les gars, je vais vous expliquer un petit peu les lots maintenant. Donc si on fait une seule catégorie, ce sera que les trois premiers qui gagnent. Si on fait deux catégories, ce seront les deux finalistes de chaque catégorie qui gagneront des prix. Donc les prix, ce sont quoi? Le premier prix, c'est une place pour venir nous voir à la Made in Asia à Bruxelles le 15 mars. Donc ce sera une rencontre abonnée en fait qui sera qui enfin ça, une rencontre abonnée de la Atix Land. Donc c'est-à-dire que ce sera tous les membres de la Atix seront présents, ainsi que peut-être certains membres du clan, donc des membres soutien, donc il faut bien le préciser, membres soutien, hein, sinon Monsieur X prend impact, craque sans slip. Hein. Bonjour à toutes et à tous, X prend impact. Petit aparté. Je vais me foutre un peu de la gueule des gens là. Hein? Monsieur Lily qui a une tête plus grosse que son corps. Il a un peu la grosse tête, mais non, mais on les aime. Tous les membres de la Hatix, on les aime. Donc les gars, je vous aime tous. Sachez-le, on est très bien dans la Hatix, il n'y a personne qui veut partir de cette team. Donc franchement les Galactics c'est vraiment une team top. Donc si vous voulez venir jouer si vous voulez venir jouer de ah si vous voulez devenir joueur soutien pour la Hatix, n'hésitez pas à me rajouter sur le PSN ou à rajouter un des membres de la Hatix sur le PSN et vous dites j'aimerais m'en jouer en tant que membre soutien pour toi ou je suis un abonné et nous on vous invitera le jour. Moi j'essaye d'inviter le jour même quand je reçois des demandes. Après parfois c'est pas possible donc là je vous inviterai peut-être un jour après mais sans plus normalement. Donc l'autre, le second prix, c'est Predas qui vous l'offre, c'est un prix qui vous permet en fait de gagner d'avoir Ghost sur PS4 gratuitement, je pense, ou pour 10 €, je me souviens plus bien. Donc ça, c'est le deuxième prix. Donc c'est seulement pour les joueurs PS4, hein, on est désolé. C'est seulement si vous êtes joueur PS4 que vous le recevez, hein, parce que si les trois premiers me demandent une place pour venir nous voir à la Japan Expo, à l'Asia, la Made in Asia, bah, les trois premiers auront une place pour la Made in Asia. Valentin, arrête de marceler sur Skype, s'il te plaît. Et donc, les gars, il y avait encore un autre petit truc qui était en cadeau. C'était si vous avez un boîtier d'acquisition ou que vous avez un gros gameplay, une chaîne YouTube, ou que vous voulez commencer une YouTube ou un gros gameplay sur un des anciens Call of qui ont le mode studio, vous pouvez nous le demander, nous demander si vous êtes bien sûr dans les vainqueurs, nous demander de le rec, ou alors vous avez un gameplay que vous voulez qu'on rec. Que vous avez rec et que vous voudrez mettre sur notre chaîne. Et donc, en fait, il passera sur ma chaîne, sur la chaîne de Predaz et peut-être sur la chaîne de Team. Gros turn au passage. Et donc, voilà, les gars, ça se passera comme ça. Et moi, si je l'ai 100 abonnés avant le jour du tournoi, j'ai bien dit les 100 abonnés. Donc, ça fera 100 abonnés en moins de 2 semaines, les gars. Je sais pas si ça a déjà été fait, ça a sûrement déjà été fait, mais je trouve que c'est énorme. Donc merci, je vous remercie déjà tous ceux qui sont là et bienvenue à tous ceux qui vont arriver. Donc si on a les 100 abonnés, j'offre un Season Pass PS3, PS4 ou Xbox One. C'est comme vous le voulez. Donc là voilà, regardez, maintenant c'est parti pour ma série et regardez ce qui va se passer, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 7 feed on screen avec full team plus un one. Énorme, en un chargeur. J'étais trop fier à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, là c'est parti pour la série. Et donc voilà, ça va être quand même en 134 secondes, je le rappelle. Je vais envoyer ce gameplay, mais je ferai un nouveau commentaire et je mettrai que la KM. J'enverrai ce gameplay à des chaînes communautaires telles que la Play Geek TV, je pense, qui vont m'accepter eux parce que j'ai un ami qui a parlé avec un des membres, il m'a donné un sujet qui pourrait être exploitable pour eux. Et d'autres chaînes comme Code QG, Code CF, Nuxon FR, je vais proposer à plusieurs chaînes. Donc dans la game il y a aussi j'oublie toujours son nom, mais je sais qu'il y a Bouboud qui va avoir ça quand même dans son colis et il y a encore Nerz je pense qui s'appelle comme ça, je sais plus, qui lui va l'avoir
Voilà, Reds, excuse-moi gros. Je te fais une grosse dédicace parce que toi t'as joué en soutien et t'as sorti ta KOM. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, il a sorti sa KOM en soutien, les gars. Donc je vous demande juste un like et un GG. Vous mettez dans les commentaires GG pour lui, s'il vous plaît. Ça lui fera super plaisir, à mon avis. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer d'autre sur ma chaîne? Donc l'arrivée de Red Shadow, j'en ai parlé. Oui, une nouvelle série sur ma chaîne. La série qui va s'intituler Une KOM, un abonné. Un abonné, une KM, pardon. Donc ce sera pour seulement pour les abonnés qui n'ont pas encore fait de KM. Bien sûr, on fera d'autres trucs plus tard. Mais là, j'aimerais aider surtout les abonnés qui n'ont pas encore fait de KM. En fait, ce qui se passe, c'est que vous me rajoutez en ami sur le PSN et vous me dites ouais, Ice, j'ai pas encore fait de KM, je suis un abonné à toi, j'aimerais bien tenter une KM avec toi. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais soit en solo avec lui, soit je verrai avec d'autres membres de la team avec lui. Pour tenter des KM et en fait on va essayer d'un peu vous coacher, d'un petit peu vous détendre, de faire des trucs, de faire tout en sorte pour que vous puissiez réussir votre KM. Et si vous la réussissez, malheureusement pour le moment on n'a pas le mode studio donc on pourra pas rec votre vue, mais si vous la réussissez on prendra notre vue et on mettra même si nous on fait du 1-14, normalement c'est pas possible, hein. On a quand même un certain niveau, pas pour être prétentieux mais bon on fait pas souvent du 1-14, si, même si on fait un score pourri, on vous l'uploadera. J'ai le premier épisode déjà, bon, petite KM au passage. J'ai déjà le premier épisode qui a été fait, totalement par hasard. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, ne vous dites pas que c'est impossible, tout est possible. Et je suis sûr que ça, que vous allez pouvoir la réaliser. Moi en tout cas, personnellement, je suis super fier s'il y a des abonnés qui viennent la réaliser avec moi. Je serai extrêmement fier. Donc j'aimerais vraiment que les abonnés, j'aimerais que vous soyez très nombreux à participer à ça. Je vous demanderai un max de comments et de likes pour participer. Faites tourner la chaîne, les gars, parce que comme je l'ai dit, aux 100 abonnés, c'est un season pass que je fais gagner. Vous m'enverrez. Là, c'est pas par rapport au tournoi, c'est vous qui me donnez tous vos pseudos, vos prénoms ou je ne sais quoi. Et moi, je mettrai tout dans un pot, je mélangerai et j'en tirerai un au hasard. Et c'est lui qui gagnera le season pass. Vous soyez sur n'importe quel console, hein, même Xbox One, je vous payerai les points Xbox. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas trop comment ça se passe pour Xbox, mais je me démerderai avec vous. Et donc voilà, et les 6 gagnants, donc les 6 premiers, on va dire, de la compétition avec Predaz, la compétition avec Predaz, donc vous pouvez tous participer, hein, que vous ayez 0,50 de ratio ou 3 de ratio, vous pouvez participer. Ceux qui réalisent, les 6 premiers feront un scrim en fait avec tous les membres YouTube de la ATX, donc à 6v6, et peut-être un scrimix. Donc là, moi je pense peut-être faire un scrimix, ce serait plus simple que vous soyez en fait avec nous, que les équipes soient mélangées. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un scrimix, c'est qu'on prend les équipes au hasard en fait. On se met dans aléatoire. Et on voit avec qui on tombe. Donc ce serait bien de pouvoir un petit peu jouer avec nos abonnés. Peut-être en compétition, ça peut être super sympa. Donc voilà les gars, on arrive sur la fin du gameplay. Je vous ai laissé la petite intro de fin. Pas la petite intro, mais la fin. La fin de la... Putain, je sais pas comment on dit ça. L'accueil de fin de partie, parce que j'ai pas eu l'accueil de début de partie. Donc pour vous montrer que c'est pas du tout du boost les gars. Je suis vraiment pas le genre de joueur à faire du boost. Et je supporte pas les gens qui boostent. Donc voilà les gars, j'ai une KM si vous voulez, une petite KM assez drôle à vous montrer. J'ai fait que camper, franchement je le dis carrément, j'ai fait que camper dans la partie. Mais j'ai fait contre des Espagnols les gars. Donc si quelqu'un veut voir une KM où je fais que camper, dites-la moi dans les commentaires. J'ai plein d'autres gameplays, hein. J'ai d'autres KM full rush etc. Mais j'ai fait une KM contre des Espagnols et j'ai beaucoup campé. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Sur ce les gars, peace et gros bisous.